Il y a 2 ans de cela, jour pour jour, les premiers leaks et trailers de Modern Warfare 2 sont sortis. Le Call of Duty qui était censé tout révolutionner. Il était censé être la suite de Modern Warfare 2019. Est-ce qu'au final ça a été le cas? Certainement le Call of Duty le plus détesté de tous les temps. Et très récemment, j'ai fait un tweet pour savoir l'avis des gens concernant les Call of Duty. D'ailleurs, mon tweet est carrément passé en tendance Twitter. Oui, oui, j'ai fait exposer les stats Twitter. D'ailleurs, n'oubliez pas de me follow sur Twitter. Et très souvent, le Call of Duty le plus détesté de toute la saga, c'est Infinite Warfare, Call of Duty Vanguard, World War 2 et Modern Warfare 2 2022. Et aujourd'hui, nous sommes donc sur Call of Duty Modern Warfare 2 2022. Alors même si j'y étais allé très récemment pour vous sortir la nucléaire sur tous les Call of Duty uniquement au pistolet, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, je vous invite à aller voir la vidéo. Nous sommes donc sur Modern Warfare 2 et voir qu'est-ce que ça donne en 2024. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est toujours pas le cas. Road to 200 000 abonnés. N'oublie pas de lâcher ce gros pouce bleu, tu connais l'objectif. Les 1000 likes en moins de 24 heures. C'est important au niveau du référencement, au niveau du soutien, pour savoir si vous kiffez toujours ce genre de vidéo. Et bordel, qu'est-ce qu'on est actif ces derniers temps. Et n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires que ce que toi, tu penses de Modern Warfare 2. Est-ce que t'as aimé le jeu? Est-ce que tu l'as détesté? Peut-être que t'es mitigé sur le sujet. Mais n'hésite pas à me dire qu'est-ce que toi, tu en as pensé de ce Modern Warfare 2. Bon bon bon. Un petit hôtel? Non mais frère, c'est quoi ça? Et j'ai vraiment l'impression de mourir en 2 balles sur ce jeu, mais... Pardon? Vraiment, c'est pour ça que je déteste MW2, j'ai l'impression que les gunfights sont complètement random. Ok. L'allié, peut-être qu'il y a des énormes points rouges derrière toi. Retour à la base. Drone allié déployé. Pardon? Pardon? Ok, tu veux me t-battre comme ça? Ok. Tu nous rappelleras que tu t'y bagues. Tu t'y bagues qui déjà? Tu t'y bagues qui? Ouais, j'étais à 2 doigts de lui claquer la nuque quand même. Hein. Bah alors, frérot. Qu'est-ce qui se passe là? Tu t'y bagues plus? Tu t'y bagues plus? C'est quand même étrange, hein. Tu t'y bagues plus là. Ah, il a carrément live. Bah alors, ça fait le cancer, ça t-bag parce que ça reconnaît YouTube le peut-être tout. Oh là là, ces joueurs. Mais ces joueurs. A few moments later.
Mais attends, il y a le mec qui m'a teabag, le Pablo Icali, là. Il est en face, les 20 200. Alors on se retrouve, monsieur. Pourquoi il a pas voulu prendre les balles dans la tête. Par contre, je me demande si la STV c'était la bonne arme ici. Je la joue parce que je la kiffe, hein. C'est pas parce que c'est... C'est pas méta comme arme, mais j'aime bien, j'adore la STB. Je sais pas, elle a un flow. Eh ben, le Pablo. Il y a beaucoup de monde. Ah ouais, ça referme la porte, carrément. Ah ouais, je savais que tu m'attendais depuis tout à l'heure. Ok. Ils sont où? Ah, ils sont vraiment du côté de A. Il y en a un qui est passé devant moi. Ah mais c'est toi en plus, Pablo. Ah alors, Pablo. Bah alors. What the fuck? Mais des fois j'ai l'impression que les mecs ne veulent pas mourir. Hein. Exactement, allez hop maison. On est en train de les enchaîner. Ah, c'est encore... What the fuck? Ah, vraiment les spawns de ce jeu, mais catastrophique. Hein. On dira jamais assez, hein. Infinity Ward, d'aller vous faire foutre. Hein. Ok, je crois que je suis à 21. Non, pas attention, parce que dans ce jeu, malheureusement... Encore le Pablo. Bien vu le drone, ami. Malheureusement, il n'y a pas le looping streak dans ce jeu. Hein. On va se demander pourquoi d'ailleurs. Bien vu le drone. Mort. Ouais, ça va, on dérange pas trop. Mort. Capture l'objectif Alpha. L'ennemi a capturé Bravo. Menace identifiée. Ok. Let's go. Bah alors le Pablo, ça fait des teabags? Et après on se mange des nucléaires? Bah alors Pablo, ça passe toute sa journée sur MW2? Bon, peut-être qu'il faut que tu comprennes un truc. En plus, je suis content, je l'ai mise à la STB. Hein. Clairement, qui est même pas une arme méta. Ah bah Pablo, il quitte! Bah alors, Pablo! Bah alors, Pablo! On n'assume pas, Pablo? Selon les dernières statistiques d'Activision, 2 Pablo sur 3 n'arrêtent pas d'être victimisés dans les lobbies Call of Duty. Alors la prochaine fois que vous voyez un Pablo dans vos lobbies, soyez gentil avec lui. Il est difficile d'être un Pablo sur Call of Duty. Chaque pouce bleu que vous lâchez est un soutien envers Pablo. Hashtag, je suis Pablo. Non, je déconne. Bon, si on compliquait un peu la tâche. Nice. Thank you.
Let's go! Let's go! Je suis vraiment le monstre que je pense être. Hein. Allez, on termine la game. Attends, t'es toujours pas abonné là? Bah tu t'abonnes, primo, deuxièmement tu lâches un like, et ensuite tu me follows sur les différents réseaux sociaux. Hein, que ça soit Twitter, Instagram, tu fais la totale. Et t'oublies pas de checker les autres vidéos.